une date importante. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillard a disparu dans des circonstances mystérieuses de son domicile de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Depuis, l'enquête se poursuit pour tenter de retrouver l'infirmière et ses proches, qui ne perdent pas espoir de la retrouver, enchaînent les battues pour pouvoir découvrir un indice. Les amis de Delphine Jubillard ont même créé une page Facebook sur laquelle elle publie régulièrement des messages et multiplie les appels pour tenter de récolter des informations pour les aider dans leur recherche. Et ce jeudi 8 septembre, elles ont posté un message pour célébrer les 8 ans du fils de Delphine, Louis. 8 septembre 2020. Ça sera la dernière fois que maman souhaitera un joyeux anniversaire à son prince Louis pour ses 6 ans, ont-elles écrit, avant d'ajouter, elle était heureuse de fêter l'anniversaire de Louis, de le prendre en photo, d'inaugurer cet instant magique qui fait de nous des mamans comblées. Maman ne vous a pas abandonné. Les amis de Delphine Jubillard en ont également profité pour adresser un message aux deux enfants de l'infirmière disparue, Louis et Elia. Maman ne vous a pas abandonné. Maman vous aime du plus profond de son cœur. Maman est si fière de vous. Maman ne pourrait jamais vivre sans vous, ont-elles poursuivi. Et de conclure, nous avons tellement de peine, de tristesse, de colère et de rage en nous. Si seulement on pouvait vous aider les bébés et que maman soit retrouvée. Le 15 novembre 2021, les deux enfants de Delphine avaient écrit un mot à leur maman qui aurait dû fêter ses 34 ans ce jour-là. Ils lui avaient ainsi laissé un émouvant message déposé devant la maison familiale. « Maman, on t'aime. Tu nous manques. Joyeux anniversaire. » Elia et Louis.